Des livres très intéressants chacun parce qu'ils m'ont apporté beaucoup de choses, des connaissances sur le monde que je n'avais pas forcément. J'ai voté pour ces trois-là, donc j'étais super content que les trois soient pris. J'ai préféré le 8e continent parce que j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, parce que c'était vraiment sensibilisant, ça touchait le lecteur. Pour les deux romans, ça a été un réel plaisir de les lire, on voit le message qu'ils essayent de faire passer. Un dernier ours a été vraiment le coup de cœur, ça a été vraiment un livre que j'ai aimé lire du début à la fin. Dans le fond, il y a vraiment le même message de différentes façons et c'est vraiment un plaisir de les lire. C'est assez enrichissant parce qu'on ne pense pas forcément à lire des livres comme ça qui sont à la base écologistes. Et c'est vrai, ça nous a entraînés à travers tout un monde du moins qui est relatif avec à la clé du coup une réflexion quand même qui est portée sur... une réflexion un peu plus profonde, voilà, et je trouve ça vraiment super. Lire pour demain, c'est un très bon concept à poursuivre. Je trouve cette initiative remarquable et je souhaite longue vie à cette initiative et à la défense de la lecture, parce qu'au-delà, il y a le simple fait de défendre le livre et la lecture et la discussion autour des livres.